Je bossais quoi sur GIF? Ah bah parfait, t'es la mort de ça. Bah tout. En fait, je viens juste de commencer. J'ai juste vu le petit BNB, bah MP, diagonale avant MP, la riad, parce que ça marchait bien, mais... Attends, mais en tout cas, on va voir ça. Avant, je veux juste re-regarder son setup, et je crois que c'était dans le premier match. Ouais, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que tu mets en bon match-up pour Gief, toi, Mordesai, par exemple, et en match-up mauvais? À un moment, il m'a fait une backshop. Bon, avant, bon, c'est un peu de chance, ça, mais bon, peu importe. Un setup. Après, je sais pas si je suis si fan de ça, de son setup. Ouais, soit avant HP, Sten MK, soit avant HK. Je trouve qu'il a pas de bon ému car les singeries du jeu compensent les soi-disant mauvais match-up. Et il s'en sort vraiment pas mal de. S'en sort VS pas mal de top. Ouais. Alors, les mauvais match-up de Sim, déjà, je vous les donnais. Luke. Sim, c'est à voir avec le drive reversal. Là, en tout cas, je vais parler de la saison précédente. Comme ça, au moins, on est tranquille. Luke, Kim, DJ, Camille. Je parle de vraiment les pires. Le reste, si c'est léger, des avantages, on s'en fout, on n'en parle pas forcément. Ken, Rachid. Voilà, on est là-dessus. Aki aussi, c'est un peu chiant. Voilà, on est vraiment sur ces personnages-là. Gep, il se débrouille très bien contre Luke. Je pense qu'il se tape pas mal contre Kim. Je suis pas sûr de ça pour le coup. Il se débrouille pas mal contre Camille aussi, apparemment. Pour ce qui est de DJ aussi, apparemment, il se débrouille pas trop mal. On a qui? On a qui? Ken, pareil. C'est à peu près 5-5, peut-être léger Gep. Donc en fait, si tu regardes, et Rachid, je sais pas. Si tu regardes, il y a beaucoup de match-up négatifs de Gief qui sont intéressants à jouer avec Dhalsim. Parce que match-up négatif de Gief, on a Lily, qui est très très dur. On a Chun-Li, qui est à mon avis très très dur. Qu'est-ce qu'il a en autre match-up négatif? Je sais pas, je connais pas les autres, tu vois. Mais voilà, c'est des match-up qui sont plutôt contrôlables avec Dhalsim. Donc ça fait longtemps que je sais que ce combo de perso est intéressant. Et j'ai pas encore passé le cap, mais là c'est le moment vu que Gev vient d'être buff et compagnie. Gev s'en sort pas contre DJ? Ah bon? Aki détruit Gev. Ah ouais? Gaël, Dhalsim, Sean, Blanca, Kim, Manon. Bah ça va, Manon je peux gérer avec Sim aussi. Blanca 5-5. Gaël, faut voir sur cette version-là. Précédemment, je pense que c'était pour Gaël. Maintenant, avec le driver sale, ça peut peut-être dépanner un peu dans le match-up et les nerfs qu'il a reçus. Faut voir. Mais je peux partir sur du Dhalsim, on va dire. Donc, tu vois, stratégiquement, c'est pas mal, Gef, en vrai. Voilà. Snake Eyes n'était pas d'accord pour dire que Gef s'en sortait bien contre DJ en saison 1. Ah ouais? Ok, à voir, à voir. En tout cas, ce qu'il me faut, c'est vraiment quelque chose contre Camille, contre Ken, Luke et Rachid. C'est eux les priorités. Il est buff, beau jouer. Bah, je remplis mon frigo avec Street, en fait, hein, mon gars. C'est un peu mon travail. Je le joue pas de plaisir, hein. Pour moi, il est dégueulasse, Gief. J'ai aucune envie de le jouer, hein. Mais si objectivement c'est un bon teammate, va falloir s'y pencher. Ça peut être intéressant. Après, je sais pas, hein, c'est un coup je vais le jouer, il va pas me plaire. Donc faut voir. Je vais essayer. Je vais essayer quelques games et compagnie, voir comment est le feeling. Le reste qu'ils veulent le bosser soi-disant. Ouais. Alors moi je m'avance pas, peut-être que tu vois, il va pas me plaire. Il y a aussi une question de feeling de personnage et puis j'ai jamais joué des archétypes de chopper comme ça. Donc, à voir. Je sais qu'il y a ça aussi comme combo. Tu vois, après dash avant, par contre, le mec il backroll, t'as rien.
apparemment. Ou alors Drive Rush avant HK, peut-être, je sais pas. Vraiment, là, ce qui me questionne, ouais, c'est les Oki. Genre, après la level 2, tu fais quoi? Tu fais level 2, tu peux mettre Drive Rush HK level 1? Ouais, l'overhead a changé apparemment, il est vraiment violent maintenant. Non. S-Lab level 1. Oh d'accord, c'est le coup de... Ça là. Je veux juste regarder pour être bien sûr. C'est de ça dont vous parlez. Ah c'est bien, j'ai quelques Zangief, je suis bien content là. Ouais c'est ça, L-Stab, d'accord. Level 2, dash avant, L-Stab level 1, d'accord. Pas de DR. Ah. Très bien, ok. Et dans le cadre où vous voulez partir sur d'autres d'autres combos qui vous donnent un bon Oki, une bonne mise au sol. Rush avant HP peut-être, je sais pas, des trucs comme ça. Ça mieux, ok. Hey, ils l'ont mis bien avec ce combo. Hein. Ça fait mal. Hein. Et si tu mets le R Lariat. Le X Lariat, pardon. Attends. Hop. Et en plus, j'ai changé mes touches. Donc, voilà. Oh, ça fait pas beaucoup plus mal. Combien il fait de dégâts le X? 1007. C'est le normal. 1004, le ouais, ouais. Alors, level 2, dash avant, stand HK, tu avances un peu. Jump HK chargé en whiff et le recover, tu peux cancel pas. Ouais, je vois, je vois. Yo, Sticky, exactement, t'arrives au bon moment. Coaching Zangief en cours. Je teste un peu le perso, comme j'ai expliqué, ça peut être intéressant de le jouer avec les matchups de Dalsim. Je peux le linker? Non, c'est en cancel. Oula. Je vois. Donc tu m'as dit. Ten HK. Et là tu fais ça, Insovid into Lariat. Elle stab saut avant, tu as plus 5. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, effectivement. C'est pas mal. Et tu peux faire ça aussi, qui a l'air de donner un bon Oki, ça. Hein. Si tu drive rush, j'ai l'impression que le mec, il est dans la sauce. Hein. Ouais, ouais, je veux bien Sticky, carrément. Il fait super mal maintenant ce combo sur Akuma, c'est un tier life, grave. D'accord, donc ça, c'est les combos post-level 2. Donc, dash avant, L-stab, Lariat. Très bien, ça me va. En cas d'ouverture sur Light, j'ai vu qu'il y avait ça du coup. Alors, ça c'est le combo qui a l'air assez classique. J'ai vu qu'il y avait ça aussi, mais je pense que c'est plus intéressant du coup de mettre le L-Stab. Salut Clamberstart. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça c'est bon. J'ai vu qu'il y avait ça maintenant. Ça c'est très très sympa. Hein. Et ça, c'est à combien en bloc? Ça a plus en bloc en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Drive Rush, cool MP, Stomp Lariat. Ah ouais? Alors attends. Stomp, donc t'entends ça par Stomp? Bah, c'est bizarre, ça sort pas moi. Ah, c'est que en. Fais ton stand LK Drive Rush. Ah. Stand LK Drive Rush. Comme ça? Ah, d'accord. Ah, je vois, ok. Ah, parce que le stomp il sort. Ah, ouais, il sort en 9, d'accord. Et Drive Rush bas petit point, plus 10. Ok, je vois. D'accord. D'accord. Et après, tu cancels ça par le Lariat. Et il faut le cancel. Ça sort pas.
Ah oui, Stomp x2, tu m'as dit. D'accord, ok. Et tu peux le faire comme ça, du coup. Et c'est... Ok, d'accord, intéressant. Et c'est le max, ça, du coup. C'est pas mieux de faire... Bas petit point, de faire ça, là. Bien 1007. Et deux stomps. Et là, 1006, ça fait moins mal. Bon. Fuseless. Après, peut-être que tu peux reset et te retrouver dans une bonne situation à la suite des stomps. C'est à combien ça? Ah non, c'est à moins 3 en hit. Moins 2. Et le premier à plus 4 par contre. Et autant faire bas petit point du coup. Donc ouais, bon, à voir, il doit y avoir un intérêt. Merci, c'est pour cet épisode. Ouais. Le stomp au Noki, c'est pas intéressant aussi. J'ai eu quelques griefs le faire. Ah, peut-être, ouais. À voir. Si tu vois que le mec il a tenté un pari ou quoi, tu peux canceller ça par extra 6 ou ce genre de truc, à voir. Training avec Snake Eyes, ouais. Il y a du temps. Contre les pro joueurs, donc la super c'est 2 quarts avant. Donc non, il faut bien la maintenir si tu veux pas avoir ton side switch. Et corner, je crois que tu peux faire... est-ce que tu pourrais pas faire la level 2, dash avant et EX Lariat into EX 3-6, enfin saut EX 3-6 du coup. Ouais, c'est ça, hein. Ah, par contre, faut peut-être décaler un peu, je crois. Ouais, c'est ça. Micro walk sur vertical headbutt 3-6 aérien. D'accord. Alors le saut headbutt c'est quoi? C'est... Ah ouais, saut et OHP. D'accord. 4100 par rapport à... Bon, bien sûr tu consommes une 2 barres de plus, donc ça va faire 5000. Oh, les dégâts par contre. D'accord, quand tu veux pas dépenser tes barres, tu pars là-dessus. Ok, intéressant. Faut bien attendre. Hop. Même là, je suis trop tôt. On attend. Hop. Et là, on est bon. Le 3-6 aérien. D'accord, c'est un buff, ça. Je savais pas. Et tu peux depuis le... Ah ouais! D'accord, quand tu veux être no-metteur, tu peux partir là-dessus. Et au niveau des dégâts, est-ce que le light et le... Je veux juste voir si la version light, elle fait moins mal. 3420. 3420, ok, tu peux faire la light, c'est plus pratique pour moi. Du coup, tu écho des barres maintenant. Ouais, c'est intéressant, d'accord. Bon, après, je sais pas si Loki change en fonction du 3-6 aérien ex ou non ex. Là, on est à plus 19. Plus 19 aussi, même Loki. D'accord. Tu écoutes des barres maintenant. Drive rush avant MK derrière le 3-6 aérien. D'accord. C'est le Mitty. Et à plus 11. Donc derrière, tu peux bas MP l'aria, tu peux diagonale avant. Ok, je vois. Ouf, ok. Intéressant.
Alors ça va être long hein, de me mettre tout ça en tête, mais déjà j'ai la base. Après la level 2, dash avant, le L spinner là, into lariat. Saut EX 3-6, ouais ça. Drive rush BMK, into ça. Et en Oki, vous faites quoi derrière les EX 3-6 et compagnie? J'ai vu que ça c'était fort. Tu comptes jouer Zangief? Bah j'apprends, vu que c'est un personnage qui a l'air assez méta. Ça peut être intéressant d'avoir déjà les bases si jamais j'ai besoin. En plus, il va pas trop mal avec les match-ups négatifs de Dhalsim, donc à voir. De vrai Vok avec Sticky, il a des new trucs. Bah je veux bien carrément. Aujourd'hui, je suis vraiment sur la base, hein. Donc ça va peut-être même pas trop t'intéresser, Sticky, mais si ouais, demain t'as un moment ou quoi, je suis carrément chaud. J'apprends la base, je regarde et puis après je te demanderai les détails quoi. Moi je pourrais t'apprendre mais en off je suis timide. Il n'y a pas de problème hors de ça, t'inquiète. Déjà c'est pas mal là ce que j'apprends. Tu peux aller en tournoi maintenant avec ton GF, c'est ça. T'as pas les mêmes okis selon les SPD. Ouais d'accord. D'accord ok. Donc je suppose que le light a un pas trop mauvais oki. Plus 30. Et le gros a un Oki un peu merdique, non? Ou c'est l'inverse? Plus 28, ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. D'accord, ouais. Et du coup, en Oki, tu pars sur quoi en général? Après, ça dépend. Tu peux tenter des fois des trucs un peu mytho comme ça pour essayer de le mitty. Je pense que c'est après le Drive Rush Balayette que vraiment. Drive Rush stand LK. Micro-walk avant HK. Ah, c'est Mitty ça, Drive Rush stand LK? C'est le mec qui saute en arrière et il prend? C'est beaucoup à base de Drive Rush en Oki, des conditionnements quoi. Stand LK, Crunch MK, Stand HP, là c'est Mitty. Alors en fait derrière SPD tu as Drive Rush, Stand LK, Crunch MK, Stand HP, Crunch HK, d'accord. Donc bas HK, bon faut le décaler un petit peu mais je vois. Stand MK c'est Mitty, ok, HP c'est pas mal parce que les mecs vont peut-être avoir tendance à pas mal backdash. Bon après en bloc c'est à combien ça? Ah c'est à plus hein. Ok, intéressant. Bon, on va faire nos premiers matchs. Je crois que j'avais déjà fait un ou deux matchs avec Zangief, mais. Hop. Et. On va. Ah, j'ai pas les costumes. Bon, ok. C'est juste le Zangief de base alors. Est-ce qu'il y a une astuce pour faire les 360? Bon, tu fais le 360 avec ton stick. T'as pas besoin de remonter trop haut. Comme ça, tu vas pas trop sauter. Pourrais-tu déjà sortir une tier list? Ah, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Alors, il y en avait une précédente. Hein. Je t'invite à check. Hein. Il y a mon YouTube. Je te mets mes réseaux dans le chat. Mais là, sans avoir. Enfin, on est en jouant un tout petit peu. Pas de sortir une tier list. Oulia! Alors, ça, il m'a montré le Mitty. Par contre, vas-y, fais-le. Ah, nice, ok. Et non. Je vais me retirer rapidement de la feed rank dès maintenant. Akuma est tellement punissable en bas. Oh, la barre. Aïe. Aïe, c'est fini. Ah, j'ai mal pour lui, je me dis des fois. Attention, ça arrive. Le 701.
Ah là là, on va bien rigoler. Merci Vega Missile. Non monsieur, je sais que t'as peur. Et là il piffe. Là il piffe les gars. Ah il a essayé. Je suis sûr qu'il a essayé. Ah bah MP. Ah. Bon, j'ai pas le lariat encore dans les doigts. Je cherche encore les boutons. Ah ça marche pas ça. Ouais 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 exactement, je pense à ça, je t'avoue Mordesai. Ah là là, je fais que foncer. Nice. 360x pour finir au HP. Ah ouais, je vois. C'est vrai que je n'utilise pas le HP. Ah, j'ai essayé pour X36, mais... I am almighty. Ouais, peut-être que je vais mettre un raccourci 3-6. Pas un raccourci 3-6, c'est un raccourci lariat. Je sais pas quel bouton je pourrais... Je pense à level 1 contre les sauts aussi. Level 1 est utile qu'en combo. Ouais, je pense, ouais. Surtout les personnages qui ont des variations de sauts comme ça. Sauf vraiment dans des situations très particulières. Punaise, tu peux pas baptiquer petit point. Oui, ok, que une fois. Et tu peux pas baptiquer ce petit pied. Non. Alors contre Camille, c'est le HP le coup que je dois utiliser, je crois. C'est pas le lariat en entière. Ah là 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 là, j'ai essayé de... Elle stab pour entier les sauts dive. Ok. Après... Putain.
suis un con. Drive rush, drive rush. Il a pas peur. Hein. Oh le mec. C'est pas du tout cramé que je cherchais à faire ça. C'est quoi le combo après après DI? Oh ça me tue hein. Alors, après DI, SPD HP, ah ouais, ou Headbutt L Stab Lariat. D'accord. Ouais, ouais. Oh, SPD, ça va faire le taf. Où tu vas là? Ouah, Zangief. Zangief, Zangief, let's go. Ah, ce perso est drôle, j'avoue. J'ai fait 3-6 ex. Ah putain. J'arrive pas entière. Ok, c'est Lariat. Pas naturel pour moi. Oh le con, je suis mort.
Putain. J'ai fait envoyer trop vite. Et il a bourré DI le mec. Hein. Ça tournicote, ouais, ça bourrine. Hein. Que de l'unsafe, que du pif. Ouais, c'est ça, c'est des mind games de Laura. Ah putain, Lariat, il faut que je me mette un bouton Lariat, je suis obligé. Oh, t'es dans la merde. Oh, mais c'est pas Mitty ? C'est quoi ce délire? C'est pas du tout Mitty. Encore la même. Putain, il y a tellement dit de block stun. Yes, t'es dedans. Merci mon ami. Jonas, merci pour le raid. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, j'avoue. Test de GIF en moderne, ça doit être pas mal ça aussi. Tu viens demain, Nassau? Il y a un tournoi à Lyon là, je vais faire un tour, c'est le Nex. Alors que je retrouve, je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aussi. Hop. Ceux qui sont intéressés. Versus City, le Nex. Trop de X, faut pas que j'utilise le X tout le temps comme ça. Ouais, ouais, il faut que je regarde un petit peu leur match. Come on.
Wow, j'aurais dû mettre le level 1. Nice. Ah mon gars, si tu fais des paris comme ça devant moi, je viens me servir, hein. Je viens me remplir le ventre. Salut Chouya, bienvenue sur le chat. Pour le relais, pitié, je suis trop KO. Ça marche, ça marche. Putain. C'est Nawak. Mes dragons, je les chope. Putain, ça marche pas. Faut pas que, faut que je mette le gros. Gros 3-6. C'est quoi la punition? En punish de pif, on fait quoi? Mais je suis con, c'est pas ça le Lariat. Oh les matchs de la honte. Le Lariat c'est... Il faut que je me mette un bouton Lariat, je suis obligé. Je peux pas appuyer comme un clochard sur carré triangle en même temps avec le pouce. J'ai ex-Lariat là... Will kick, L slab, OD Lariat, tu peux, ok, ça marche. Oh là 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 là, mais mon dieu. Ah mon dieu. Oh là là, c'est... Exadoken. Dragon. Ah, c'est Lariat. Putain, Lariat, oh, ça sort enfin. Oh, il est complètement fou, le mec. Elle est rentable, le maître du Ryu. Ah, il a pas payé pour bloquer, lui, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle était dedans. Yes, merci, monsieur. Oh, il est stylé le titre, il faut garder le sourire, je le veux, je vais le mettre.
Ah bah c'est bizarre, il est où? Il est passé? Non, pas là. Là. Mais que fais-tu, Crimson? Je prépare l'arrivée d'Akuma. Ah, Akuma. On va pouvoir casser... casser de l'allumette. Un peu. Allez, viens là. Allez, direct. Hein. Ah là 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 là. Et là, tu sautes. Ah là 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 là. Pas loin, t'étais presque dedans. Oh, c'est quoi ça m'a fait? C'était quoi déjà la punish? Putain, j'ai oublié. Faut que je regarde avant HK, je crois. Ah, il est dedans. Et c'est la muerte. J'ai fait 4 dash avant. Alors, faut que je regarde les punish. La marche de l'empereur. Alors là, voilà la marche de l'empereur. Et tu te dis, non, il va pas en faire un quand même. Et au moment où tu te dis ça, t'es déjà dans le 3-6. Alors. Et l'Ariatex, je crois. Ok. Attends. Finish de pif, standing heavy kick. Ah, L stable, OD, Borge, Dynamite. Ah, L, ah, OD, L stable, OD, Borge. Voilà. Bon, regardez. HK, ah c'est le HK, d'accord. HK dash. Ou alors c'est avant HK. Je pense que c'est ça. Mais quand, c'est quoi le OD Borsch? C'est soit, c'est ça, c'est soit Airshop, tu peux faire ça. Ah ouais? Sans dash, ça marche. Pas de dash entre HK et L-stab. Ouais, ouais. Mais du coup... À moins que ce soit jump cancel up, non? Ah, d'accord, je vois. Stun HK, ok. Ça marche. Je vois. Ouais, effectivement. Je les punish, d'accord. Et dans le cadre où tu veux pas investir de barre, tu dois sûrement mettre l'Ariat, je suppose. C'est pas mal aussi. Après, Loki est pas ouf, mais... Ouais, c'est pas mal, hein. L'Ariat, c'est le meilleur rapport dépense Loki. D'accord. Ouais, ou level 1, ouais. En cancel, est-ce que tu peux le mettre en nature? Ah, je crois que tu peux pas le linker. Non. Ok, d'accord. En HK... Après, j'ai vu des punitions comme ça, là. J'ai vu des pifs bloqués, punish comme ça. Après, je sais plus ce qu'il faisait, mais... Ah, tu peux faire ça. 4005, là. Ça fait plus mal encore. Hein. Bon, après, faut le voir, mais...
SPDH sinon, ouais. 3007, ouais. Bah le mieux apparemment c'est ça quand même, hein. Après faut y penser, hein. Bien sûr c'est long, mais les dégâts, tu te régales, hein. Et c'est un coup tu peux faire, hein. Tu peux extendre encore. Et Pioko, c'est ça. Ça doit te faire des souvenirs, ça. Ouais, ouais, là, non, le perso est marrant. Hein. On va passer quoi? On va passer diamant du demi pré-shot, ça, non? Bah, je pense que non. Je pense que c'est une pitch. Hein. Admettons, je suis bien au corps à corps. Non, non, c'est bien une punish. Hein. Ah, c'est simple, efficace, ça. Hein. Tu peux le faire sans drive avec la charge HK aussi. Avec la charge HK? Qu'est-ce que t'entends par charge HK? Le coulage, genre, ou un truc comme ça? Le saut HK chargé, d'accord. Ah ouais? Oups. Ah ouais! Ah c'est génial du coup, c'est vraiment ça qu'il faut faire en punish. Ah, depuis le patch! Oh, ah d'accord, c'est génial! Et attends, ça marche sur tous les pifs ça? Ouais, ça marche sur tous les pifs. Hein. Hop, hein. Après, c'est mid-screen. Corner, je pense que ça marchera pas du coup. Ouais, corner, ça marche pas. Après, corner, t'as peut-être autre chose. Non. Ah, du coup, corner, tu peux peut-être faire ça. Non, c'est vraiment spécifique. Corner, c'est wheel kick, L stab, OD... Ah, d'accord, ok. Et là, maintenant, tu peux, si tu veux, mettre la heavy, du coup. Putain, mais ça fait encore plus mal. Ah non, tu peux pas mettre la heavy par contre. Je comprends pas comment tu peux faire le drop kick plus SPD derrière. La heavy passe que si tu mets pas le juggle avant. Genre là, ah non. Parce que ouais, si j'ai pas de barre en corner, je peux partir sur quoi? Enfin, si je veux pas investir de barre. C'est triste de faire... Ah, avec un stand HK. D'accord. Et en termes de gars, 3005 par rapport à si je fais ça. Oh, d'accord, ouais, ok. Donc, vaut mieux faire ça, tout simplement. Et attends, mais le 3-6 classique, il retire combien? 3-6, il fait 3007, donc c'est 3007 à battre. Il y a aussi un nouveau combo en maintenant crouch heavy kick. Ah, pour HK, tu veux dire? Ah, crouch heavy kick, tout à fait, c'est vrai. Ce coup-là, diagonale avant HP. Punaise, il est bizarre hein, ce coup. Hein. Level 1? Ouais! Intéressant. Beaucoup de variations de combos sur les punish, c'est intéressant. Certes, Gaff, il a pas de pif, mais il t'empêche d'utiliser le tien. Maintenant, c'est cool.
Ah ouais, il est pas mal celui-là. Hein. Que la level 1, tu l'as souvent quand même. Dropkick au sol, level 3 aussi. Bon. Ah pardon, dropkick au sol, donc comme ça. Ok. D'accord, intéressant. Ah, ça marche pas ça, il me semblait que ça marchait. Ah, du coup, c'est ça. Ah, faut délai. Thing about downward heavy kick into level 3, even if it whiff, you're still plus 5. Oh, interesting. If I miss the timing. Ah, mais d'ailleurs, t'as accès à la grosse command grab aussi là, ça fait combien ça? 4100. Attends, mais ça va être dur de battre ça en fait en corner. 4100 sans barre. Crimson Lariat X cancel après le premier hit. Ah, d'accord. D'accord, je vois. D'accord, je vois. La level 3 ne combo qu'avec Odé Lariat au premier, je vois. D'accord, merci King Jean. Depend on spacing, oui, aucun risque de se foirer. Intéressant tout ça. Ouais, le perso est cool. Après, attends, donc du coup, ouais, en fait, en corner, c'est ça l'outil. Si t'as pas de barre. Sur si tu bait un pif, quoi. Après, bien sûr, ça dépend de la distance, mais... Genre là, en plus, les pifs de Ken, là, qui avancent pas mal. Le problème, c'est que tu pourras sûrement pas les... Bon, là, ça marche quand même, mais par exemple, si j'enregistre le... Ouais, là, c'est mort, déjà. Ouais. C'est dead, en fait... Peut-être le pif de jury ou ce genre de truc, mais sinon t'oublies. Donc à ce genre de... Dis pas que tu peux mettre le L-Stab nature après le coup de tête maintenant. Ouais. Y a pas un truc genre ça, c'est intéressant là. Admettons, voilà. Et ça, ah, tu peux pas. Ah non, tu peux pas. Peut-être soit HK. Ouais, soit HK, ça marche. Donc ça, c'est très bien, hein, 3005. Si t'as un doute, tu prends le 3005. Si t'es mid-screen, soit HK chargé. D'où ce truc-là. Normal ou EX, tu te prends pas la tête, c'est ça qui est cool. 4005. Et là, sans barre, 4100. On est bien d'accord. Hein. Merde. Ouais, il gagne 600 quoi. Ok. Donc toujours soit HP, HK. LP whiff, ensuite 720, quoi à prendre. Ouais, je vois. Comme ça. Après, c'est un... Est-ce que... Ouais, ok, je vois. Après, sinon tu te prends pas la tête. Enfin, c'est mieux. Hein.
fait. Après, à voir en termes de dégâts. Sinon, tu dash, hein, tu prends pas la tête. Hein. C'est beaucoup plus facile avec le dash. Encore plus de marge. Fais ça en l'air et cancel RSPD. Via un expert, ça passe du SPD. Ouais, certains, tu punis pas. À voir. C'est ça, et puis le jab, c'est un coup. Est-ce que tu touches le mec dans sa retombée ou quoi? Et si t'as pas de chance. Pour moi, le dash, tu touches pas, mais ouais, je vois. Sinon, après, ouais, bah MK, c'est peut-être bien aussi. À voir. Ça marche même après 4 dash. De toute façon, au pire, tu me diras quand t'es dispo pour les muches que tu veux bosser avec GF. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ça marche. Bah, j'essaierai aussi de... Bon, ça va mettre quelques... Si jamais je continue effectivement à taffer le perso, ça va mettre un petit peu de temps avant que... Plus on est, mieux c'est de toute façon. Les pressings, il faut que je vois. J'ai vu que ça, c'est très utilisé. Bon, faut pas dire ça. J'entends dire que si Gief bloque un projectile en faisant le Siberian Express, il accélère, c'est vrai. Un coup, en tout cas, moi je l'ai vu quasiment se téléporter, punaise, il est déjà minuit. Allez, on va s'en faire une petite dernière. Encore un Kuma ? Ouais, vous avez vu ça? X36 en jump cancel. One medium kick, he's insane. Oh, I need to try this, yes. Nice. Bien, bien, bien. Bon. Don't waste my purse. Tu peux L-stab, Audi Lariat, Audi Borsch, même sur un wall spike classique au besoin.
D'accord, je vois. Je comprends. Donc genre sur un DI. Il a fait 3... Il a fait dragon normal d'ailleurs. Ah, il est en panique, moi je suis main dans slip. T'as pas peur, hein. Putain, il n'a pas peur du... Je lui envoie dans la gueule, hein, le 720. Oh non, je suis deck, je voulais finir. J'avais le 720 et tout, je lui mettais dans la gueule, tôt ou tard, il mourrait. Ah, le jeu a planté. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai un patch à analyser. Il faut que je termine ce truc-là, et puis il est déjà minuit, donc on va faire ça en vitesse. Je vais lancer juste le jeu en hors ligne. Oui. Ouais, les serveurs, on claque.